Dans cette vidéo, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lyon, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien, sur cette chaîne, on parle de foot. Sur cette chaîne, nous, on est passionné de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est qu'on est parti. Alors, les gars, Lyon, les gars, Lyon ne va pas bien. Lyon, je pense qu'ils sont 7e de Ligue 1, les gars. Et pour moi, c'est vraiment une catastrophe industrielle. Lyon doit être dauphin du PSG. Parce que lorsqu'on compare les budgets de France, après le PSG, Lyon et Marseille suivent. Donc, voir Lyon très loin du podium, pour moi, ça m'interroge. Et ça ne date pas de maintenant. Ça date d'au moins il y a 5 ans. Au moins 5 ans, Lyon n'arrive plus à être sur le podium, les gars. Il n'arrive plus à être dans le top 3, top 2. Alors qu'on parle d'une équipe qui gagne la Liga, qui gagne la Ligue autant pour moi, il gagne le championnat quasiment chaque année. Chaque année, Lyon remporte le championnat, les gars. Pour moi, franchement, est-ce que c'est la faute? Parce que tout le monde tire sur, on tire sur Jean-Michel Aulas, que Aulas n'a pas su gérer Lyon les 10 dernières années, mais est-ce que c'est seulement la faute d'Aulas, les gars? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est la faute de tout le monde, y compris les joueurs. Y compris les joueurs. Parce que lorsque tu vois l'effectif de Lyon, Lyon n'a rien envié peut-être à Marseille, à Lens qui est deuxième. Lyon n'a absolument rien envié à Lens. Mais en termes de résultats, force est de constater que Lyon est derrière Lens. Alors que si on compare en termes de talent intrinsèque, Lyon est au-dessus de Lens, les gars. En termes de budget. En termes de budget, en termes de talent intrinsèque, Lyon est au-dessus. Mais sur le plan des résultats, il n'y a pas photo. Lens est largement devant Lyon. Et pour moi, ça m'interroge. C'est la faute à qui? Pour moi, c'est la faute à l'ensemble des dirigeants de Lyon. Ce n'est pas seulement la faute à Jean-Michel Aulas. Donc, dis-moi ce que toi tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est seulement la faute de Jean-Michel Aulas? Partage-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.